Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ça fait 3 jours que j'ai pas joué, je sais absolument plus ce qu'il faut que je fasse. Il y a ce curseur qui... Voilà, hop, au revoir le curseur. Donc ouais, je sais plus ce qu'il faut que je fais. Alors attends, la carte, on l'ouvre. Comme ça. De mémoire, sur les balcons à l'est, il y a des herbes à récupérer. Il y a un bâtiment... Il y a une salle souterraine... Les microchips, ça se stocke, le silicium, oublie de le stocker. Ouais, bah, faut faire plus de mines de silicium, en fait. Effectivement, c'est compliqué. Donc, j'ai pas tout récupéré dans la salle à manger. J'ai oublié le truc. Ah oui, j'ai oublié le... Oui, effectivement, j'ai pas pris le... Comment ça s'appelle? Ah... Le symbole de bouclier, là, le machin, le truc, le bidule. Bon, il me reste encore plein de trucs, et bref, on va y aller, hein, je dois y aller. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire, déjà? Je vais stocker les rubans, j'ai la clé, c'est la clé bouclier, celle-là? Non, la clé armure. C'est la clé armure. J'ai du feu. On refait les munitions. Alors, attends, comment on joue à ce jeu? C'est quoi les contrôles? Ça, on range. Ouais, j'ai plein de trucs. Ok. Alors. Si ma mémoire est bonne, tu as déjà cramé la plupart de tables de shotgun. Chut. C'est pas grave. Oui, c'est ça. Faut que je récupère des plantes parce que je suis dans un état... Je suis quelque peu blessé. Et faut que je retourne sur le balcon à l'est. Alors attends, je monte. Ouais, je vais remonter, passer par le hall. Attends, je suis où là? C'est derrière. Non, c'est là qu'il faut que j'aille. De toute façon, que je retourne dans toutes les salles qui sont rouges. Oui, c'est vrai. J'avais l'espèce de plante mutante dans la fontaine, aussi, je crois. Enfin, je sais plus. J'ai absolument pas pris la bonne route. Mais ce n'est pas grave. Je peux faire un petit détour. J'y survivrai. Oui, et puis il faut que je teste les portes que j'ai pas ouvertes. Parce que pareil, de toutes les portes en rouge, ben, y en a que je peux maintenant ouvrir. Vu que je les ai pas toutes essayées avec la clé. Mais ouais, non, typiquement celle qui était derrière moi, je l'ai pas essayée. Mais je veux d'abord aller récupérer des plantes. Pareil, il en reste dehors. Attends, le balcon, il est en bas, c'est ça? Le balcon que je cherche. Oui, c'est ça. Ce qui est plus une terrasse, du coup, qu'un balcon. Alors, ce sera pas une session de jeu très longue. Parce que je suis un poil fatigué. Mais j'ai quand même essayé d'avancer. Enfin, je dis ça, ça se trouve... Je vais me trouver la motivation que j'ai 3 heures de suite, hein. J'en sais rien. Bon, évidemment, toi, YouTube, tu n'auras pas une VOD de 3 heures, je te rassure. Ça durera un peu moins longtemps. Attends, c'est décidément... Ouais, c'est là qu'il faut que je passe. C'est là qu'il faut que je sorte, et il me semble qu'il y a tout un tas de plantes. Il y a du terreau aussi. Je crois que... Je sais pas trop si le... Je sais pas à quoi il peut servir le terreau. Je sais plus où il est d'ailleurs. Il est là. Prendre une substance chimique. Ah, merde. Par toi, con de chien.
Alors, je sais plus ce qu'elles font, les herbes rouges. Ça se prend, ça? Il reste encore plein de kérosène. Remplir votre gourde. Ah oui. Remplir votre gourde de kérosène. Il y a une doc dans la pièce pour récupérer le briquet. Attends, du coup, la doc, j'ai dû la lire. J'espère. Grimoire. Les quatre masques. Non, ça c'était dans le. Ok, ça c'est dans le truc des masques. Destruction des corps, journal du gardien. Non. Alors, je n'ai peut-être pas lu ce bouquin. Manuel du Stars, peut-être? Ah non, ça c'est. Ok, ça c'est juste les. Il y a. Ah non, je l'ai pas récupéré, ok. Bon, je vais aller le récupérer. Alors attends, du coup, le briquet, c'était au rez-de-chaussée ou l'étage? Parce que c'était dans l'aile est, ça c'est sûr. Il me semble que c'était. Ah, attends. C'était à l'étage, ok. Non mais je suis con en plus, là je vais fouiller. Parce que, du coup, si j'ai pas récupéré le bouquin, la pièce elle est encore rouge, j'imagine. Ah mais décidément. C'est celle-là. Les documents sont optionnels, d'accord. Et cette porte-là, par contre, je peux pas l'ouvrir de ce côté-là. J'avais pété la poignée. Et donc, bah, c'est probable. Ah. Eh oh! Il n'y a pas de poignée sur la porte. Ah. Ok, il faut que je sorte par là. Bon, je vais exploser la tête. Normalement, il se relèvera pas. J'aurais peut-être dû le cramer du coup. Mais oui, petit coup de chance là, le coup en pleine tête, c'était appréciable. Hein, parce que sinon, bah, c'était restart à la précédente sauvegarde. Hein. Ça devait être cette pièce-là que j'ai récupéré le briquet. Un journal ouvert. Les pages sont vierges. Des livres sur les divers peuples de la Terre. Attends, qu'est-ce que j'ai raté ici du coup? Un jeu d'échecs en ivoire, la partie s'est terminée sur un échec et mat. Ok. Un vieux gramophone, le disque s'intitule Jupiter. Ah non, pourtant il reste un truc ici. Qu'est-ce que j'ai raté?
Ça va être un truc évident. Visible comme le nez au milieu de la figure. Ou pas. Là, clairement, non. Il y a juste le jeu d'échecs, il n'y a rien d'autre. Là sur le petit guéridon. Non, je peux rien faire. À part voir des livres sur les divers peuples de la Terre. Ah merde alors. Est-ce qu'il y a, y a rien que je manque là? Ou alors c'est quelque chose qui se débloque, genre c'est un truc caché. Ah putain. Botanique de l'usage des plantes médicinales. D'accord, effectivement. Fallait que je tape vraiment sur la gauche du bureau. Comme vous le savez sûrement, une lien depuis la nuit des temps, blablabla, dans un planète, trois types d'herbes, chaque jardin, ok. La verte, blablabla, la bleue neutralise les exosomes, utilisée seule, la rouge n'a aucun effet. Ah, d'accord. La rouge telle quelle, c'est nul, mais faux, ok. Ok, donc j'aurais pas dû consommer toutes ces herbes vertes dans ma vie. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, donc les bouquins comptent pour la complétion d'une pièce, apparemment. Parce que ça me l'a complété. Et là, le corps a disparu, donc... Vous utilisez la clé du manoir. J'ai trouvé plus de vertes rouges. Ouais, mais bon, tant qu'à faire. Bon, dès que je croise une verte, autant directement la combiner une rouge. Voilà, typiquement là... Bon, c'est un problème, mais ok. Il y a une grande éraflure dans le mur. Ça ne semble pas être l'œuvre de ces créatures putréfiées. Ok, bon, mon inventaire est plein. Il n'y a rien dans les tiroirs ni sur les étagères. Est-ce qu'il y a un monstre sous le lit? Ces empreintes de pas semblent traverser le lit. Il n'y a rien sur la commode. Il y a des rubans ici. Et là, il y a de l'herbe. Ok. En vrai, bah vu que je suis juste à côté, je vais aller déposer. Je vais aller vider mon inventaire. Et puis, je vais récupérer du matos, là. Et je vais peut-être poser temporairement le bidon d'essence, enfin, la gourde d'essence et le briquet. Vu que... vu que je m'en sers quasiment jamais, en réalité. Même si je devrais le faire systématiquement, je pense. Ah mais, attends, ça a réapprovisionné des trucs au sol, là? Ça y était pas la dernière fois, tous les trucs par terre. Il y avait un message au mur. Ah. Il y a eu un bon samaritain qui est venu me donner un coup de main. En vrai, non, je vais garder les... Message au mur. Pas de message au mur. Ou alors un autre mur. Ah oui. J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite.
Utilisez-les en cas de coulure. Barry. Faut regarder un peu l'environnement. Je t'avoue que un message au mur, genre sur un mur, dans une pièce que j'ai déjà traversée. Bon, voilà, j'y prête pas trop attention, on va pas se mentir. Bon, cela dit, merci Barry, c'est appréciable. Ok, donc il y a des sprays, il y a des trousses de soins. En vrai, je pourrais les laisser telles quelles. Non, si, je vais quand même les ranger dans la boîte parce que. Bah, parce que pour la simple et bonne raison que. Merde. Pour la simple et bonne raison que comme ça, je peux y accéder depuis. Depuis l'autre pièce, en fait. Des grenades incendiaires. Ah! J'ai pas encore le lance-grenade, donc. Ok. Et bah du coup. Où est-ce que j'avais. Est-ce que j'avais laissé de la. Il restait encore une rouge sur le. Ouais, bon, je vais remonter. Vu que j'ai posé le briquet, j'ai un peu plus de place. Le briquet et la gourde. Ça fait un mélange d'herbes. Est-ce qu'on peut recombiner avec une rouge en plus? Non. Bon, normalement, je suis pas mortellement blessé, donc ça va. Attends, est-ce que j'ai seulement. Non, mais j'ai pas posé le. Non, mais j'ai. J'ai pas posé la moitié des trucs que je voulais poser en fait. Ah si, mais ça prend tellement de place. C'est terrible. Trousse de premier secours, je vais la. Bah si, je vais l'embarquer, hein. Et là, je sais plus ce que c'était de l'autre côté. Ah si, c'était une herbe. Et il reste au moins un truc dans cette pièce. Son empreinte de base semble traverser le lit. Il y a des notes au bout du mur là. Bah si, il y a les, oui, les rubans. Ok. Bon là pour l'instant ça va être un peu de FedEx, hein, gestion d'inventaire, tout ça, la base quoi. J'imagine que la trousse de premier secours, elle fait aussi office de guérison des toxines. Là où, genre, enfin, je sais pas, dans ma tête, le spray, c'est juste, genre, soin maximum, un peu comme herbe rouge plus herbe verte. Mais je suis pas sûr. Examine-la. Ah, oui, c'est vrai qu'on peut examiner les trucs. C'est vrai que je peux. Attends, je vais faire ça avec le spray de premier secours et la trousse de premier secours. Oui, bon, a priori, ça a pas l'air d'expirer avant un petit moment. Mais je peux l'ouvrir. Mais oui. Contenait un spray de premier secours. Oui, bon. Spray capable de guérir totalement les blessures. Mélange d'herbes. Rouge et verte. Super.
Je vais poser les herbes de toute manière. Ça revient un petit peu au même. J'en garde deux au cas où. Si je fais une petite sauvegarde quand même. Histoire de. Demi-tour. Mais oui, évidemment. Oh là là. Tiens, attends, d'ailleurs. Attends, ça, je veux en embarquer. Non, j'ai... Bon, je suis en mode overkill. J'en ai deux, quoi. Rien d'inhabituel. Oui, bah, c'est un... C'est du terreau, quoi. Je vais voir si je peux l'utiliser sur le... Il y avait des plantes en pot... dans une des salles, sur un des balcons ou une des terrasses à l'ouest. Je sais pas, je me dis que porter deux soins, c'est pas overkill. J'en ai pas trois, quoi. Après, oui, c'est vrai que c'est des sprays. Et que ça pourrait être, genre, juste des... Bon, c'est la découverte. Alors, attends, du coup... Non, c'était dehors. Je sais plus. Ah, c'est marrant, la porte d'entrée du manoir, elle est en bleu. Attends, où est-ce que j'avais vu? Attends, je vais repasser par... Attends, est-ce que je peux passer? Parce que c'est vrai que j'ai un... Faut que je passe par la pièce. Normal, vous êtes arrivé par là, elle est forcément verte. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... Ah. Et là non plus. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est que... Genre, il se passe quoi si je tente de sortir par là? Je pense qu'il va me dire, non, on va rester dans le manoir, mais... Mais j'en sais rien, en fait. J'en sais rien du tout. Peut-être que je me gourre. Donc il me semble que c'était là qu'il y avait... Parce que de mémoire, c'était à l'extérieur. Donc là, c'est là où on a battu le chien, on a récupéré... La fausse clé? C'est ça, c'est là. Des herbes vertes poussent ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Les utiliser, non. Alors, et du coup... Putain, mais je... Mais je suis con comme un balai, moi. Ce balcon, d'ailleurs, qui n'existait pas dans l'original. Ah, ok. Donc, soit tu récupérais la clé autrement, soit l'énigme n'existait pas du tout, même. Alors, vous voulez... Ouais, c'est ça, il se relève, lui. Faut que je le tase. Putain, mais c'est qui va hit ? C'est contre eux qu'il me faut le fusil à pompe.
Et donc, du coup, dans cette version, ils suivent au-delà des portes, c'est ça? La réponse, maintenant. Non, ok. Je vais recharger la sauvegarde. Là, j'ai perdu beaucoup de ressources. Je vais recharger la sauvegarde. Hop. Les Crimson Head sont spécifiques au remake. D'accord. Le pire cauchemar sommeille dans les ténèbres. D'accord. Ok, si tu le dis, je te fais confiance. Je te fais confiance, le jeu. Ok. Du coup, je garde ça. Ainsi que la gourde. Ouais, du coup... Bah si, du coup, faudrait que je garde quand même la gourde et le briquet. Parce que c'est spécifiquement eux qu'il faut cramer. Et du coup... Compenser, je vais ranger un soin. Okay, attends, je l'ai pas examiné ça. Ah. Un papier se trouve à l'intérieur, il n'y a rien d'écrit dessus. Et bah, je vais le ranger pour l'instant. Mais ouais, c'est un peu des plaies du coup. Ouais, lui, on l'avait éclaté. C'est le seul ajout dont je ne suis pas fan par rapport à l'original. Mais ouais, enfin, ça ressemble un peu à de la difficulté. Enfin, ça ressemble à de la difficulté un petit peu artificielle. Après, si le jeu. Enfin, je sais pas si de base. Si dans le jeu de base, Barry te filait des ressources en plus. J'imagine que du coup, ok, ils ont rajouté des ennemis qui se relèvent. Ce qui était peut-être pas le cas dans l'original. Si? Ok. Et donc la science. Inutile d'utiliser ceci maintenant. Bah super. Eh ben super. Alors, est-ce que je peux le cramer avant qu'il se relève? J'imagine que oui. Comment ça? Mais j'ai un cadavre sous les pieds. J'aurais pu pouvoir le faire. Ok. Ah non, mais c'est... Attends, faut que je combine, c'est ça? Non, attends, bah... J'ai du kérosène dans ma gourde. Ah, d'accord, c'est là. Ah, lui aussi, il est encore toujours vivant, toujours debout.
Ok. Ah, d'accord, donc en fait, faut que je tue les zombies normaux. Enfin, faut que je brûle les zombies normaux, sinon ils se relèvent. Ça le truc. Ok. Du coup, l'engrais ne me sert pas pour les plantes du balcon. Perso, je suis pas fan de l'idée, mais c'est comme ça, ouais. Ouais, je comprends. Non, je veux pas sauvegarder pour l'instant. Je veux garder le briquet, ranger ça, prendre un soin. J'ai dit prendre un soin. Ça ajoute trop d'action. Ouais, bah ça fait des inputs en plus, quoi. Prendre un spray et cramer. Zombie quoi. Bah oui, c'est surtout. Oui, c'est vrai que pour le coup, s'il se relevait et que ça faisait juste un zombie normal, bon. Mais là, c'est compliqué, quoi. Donc lui, par contre, je peux le cramer? Non, je peux pas le cramer. Ok. Bon, il y a plein de trucs qu'il faut que je fouille. Donc, je vais recommencer à l'étage. Correction, le genre action shooter. Ouais, oui. Mais c'est vrai que ça fait des zombies qui courent vite, quoi. Ce qui est pas du tout dans le rythme d'un vieux Resident Evil. C'est verrouillé. Problème d'un casque qui est gravé sur la serrure. C'est pas du tout là où je voulais aller. Attends, y a quoi ici déjà? Remarque, oui, je peux passer par là. C'est pas trop grave. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Donc là je peux. Ok, partie ouest, en vrai, j'ai pas grand chose que je peux ouvrir. Je crois, ouais, globalement, partie ouest, c'est le casque, j'ai l'impression. Donc j'allais ouvrir des portes partie est. Est-ce que j'en ai? Oh, et tiens, je vais ouvrir celle qui est. Vérifier celle qui est là. Je sais plus si elle est verrouillée de l'autre côté ou si c'est. Si la clé est la bonne clé. Ok, j'ai utilisé la clé du manoir. Mais c'est pas la table de verre, moi c'est les munitions que je veux. Ok. Je peux interagir avec la plante. Jill, don't scare me. Speak for yourself, Barry. What are you doing here? Yeah. Well, I think you should take a look at this. I warn you though, it's not pretty. It's Forrest. Forrest Gump. What could have done this to him? Je sais pas, la moitié des trucs que t'as croisés. I'm gonna find out what did this to him. Jill, could you investigate other areas? Yeah, sure. Du coup, j'ai une question. Oh.
D'accord. Moi, j'ai une vraie question. Comment il est entré là, sachant qu'on a a priori le seul exemplaire de la clé? Mais bon, suspension consentie de l'incrédulité. Ok, faut que je garde en tête qu'il y a des plantes ici. Remarque. Ouais. Je vais la j'en prendre une et puis je vais aller ranger. Est-ce que je veux aller ranger le lance-grenade? Peut-être pas. Que dès que je croiserai un truc un peu plus gros qu'un zombie, je pense que je serai content de l'avoir. Genre un boss par exemple. Par contre, faire deux groupes de 1, c'est vraiment toujours la pire idée. Non, c'est pas cette porte-là que je veux. C'est... celle-là. Techniquement, le jeu est finissable 100% au couteau. Oui. Ceci dit, je pense qu'il n'est pas finissable à 100% au couteau pour quelqu'un qui découvre. Ou alors, ça va prendre beaucoup de temps. Et beaucoup de save-scumming. J'ai bien envie de ranger le lance-grenade quand même. Hein. Je retournerai le chercher quand j'aurai... Il va faire une petite sauvegarde. Et je retournerai le chercher quand je croiserai des gros trucs. Un petit truc de qualité de vie qui aurait quand même été appréciable. Parce que ça, c'est pas grand chose, hein. Mais c'est que, ben... il aille piocher directement les rubans encreurs dans le coffre, en fait. Donc bon. Ça aurait été pas mal, quoi. Et je veux... je voulais remonter, je voulais vérifier les... Marc, j'ai plein de trucs à vérifier. Ah, d'accord, il monte les... attends, il monte les portes avec les poignées pétées. Ah, ok. Je peux pas sortir au rez-de-chaussée, là. Il monte les portes avec les poignées pétées sur la carte, c'est pratique, ça. C'est une grosse porte, il y a forcément des gros trucs derrière. Une énigme. Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil. Il y a un bouton appuyé dessus? Non. Il y a un objet dans la cavité, mais la grille vous empêche de le prendre. Le chevalier endormi. Ah. Parce que là, j'appuie sur le bouton. Je meurs. Ouais, voilà. Je peux pas appuyer sur le bouton? Non. Est-ce que je peux sortir? Je suis pas sûr. Ah si.
Pour la science, je vais re-rentrer dedans. Si encore du gaz... Ouais, je vais recharger. Parce que bon, consommer un spray comme ça, c'est un peu tristoun. Donc, soit il me faut un masque à gaz, soit il faut que je fasse un truc dans l'énigme qui permette de compléter l'énigme sans sortir du gaz, simplement. Donc pour l'instant, on ne touche pas à cette salle. Peut-être qu'il me faut des herbes bleues. Je sais pas. Donc du coup, ouais, juste pour utiliser la clé, comme ça. Et l'utiliser sur cette porte-là. Est-ce que je peux les pousser? Je pense pas. Non, je pense qu'il faut que je fasse... Je dois avoir une énigme dans le manoir avec du coup une hache, une épée, un bouclier et je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'avait le quatrième chevalier. Si tu peux les pousser... Ah bah, c'était pas flagrant. Richard, que s'est-il passé? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake, and it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Ouais, donc c'est pour le serpent que je vais avoir besoin du lance-grenade. Ah, d'accord. Il y a du sérum dans la... Ok. Juste vite fait check. Ouf, non, je vais y aller, en fait. Je vais y aller directement. Là, je commence à connaître ce manoir. C'est pas encore ça, hein, mais... C'est un début. Alors, donc c'est là qu'il y avait les petites fioles à la con. Un lit qui est bien servi. Non, attends, où c'était là? Ah, prendre du sérum, oui. Il y a plusieurs types de sérum, la plupart ont une teinte douteuse. Ok. On va retourner soigner Jean-Claude, là, Richard, machin, bidule.
Il y a quand même beaucoup de backtracking dans le jeu. On va pas se mentir. Faut aimer faire des allers-retours. Hein. Alors. Richard, mon ami Richard. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? Et donc là, du coup, donc si j'entre dans la salle d'après, il y a un serpent. Serpent géant, de quelques mètres de long. Je peux entrer juste pour aller observer. Il va pas me... Hein. Ok, ça c'est fait. La carte dit quoi? Il dit que ça c'est fermé. C'est verrouillé. L'emblème d'un bouclier est gravé sur la serrure. Et donc là, là il se passe des trucs affreux normalement. Peut-être pas encore là. Bah. Ah d'accord. Ok. Les meubles à pousser. Je pense que j'ai plutôt poussé dans l'autre sens. Une salle mal rangée. C'est affreux. Ah merde. Je crois que je l'ai bloqué. Attends. Je sors et je re-rentre pour reset la position de l'armoire. Parce que ce sont des armoires magiques qui se remettent en place quand tu quittes une pièce. Et ça, c'est quand même beau. Hein. Donc, c'est mal rangé, mais en fait, c'est tout à fait normal, du coup. Parce que si tu ranges, ça revient à sa place. Non, il n'y a rien que je peux interagir sur la table. Ah merde. J'ai littéralement foncé dessus. Néo. Néo. Ok. Il fait trop sombre, il me faut de la lumière. Il n'y a pas un interrupteur qui traîne? Petite note là qui dit comment allumer, non? Ah bah attends, il y a un bougeoir là. Il me reste plus d'essence? Il me reste plus d'essence. Triste histoire. En vrai, je pourrais consommer une herbe, là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Non, je vais revenir. Mais est-ce qu'il faudrait que je crame le... Tant qu'à faire, que je crame le cadavre. Par contre, t'es censé avoir un serpent géant. Pas vu.
Ah bah c'est peut-être dans cette salle-là, du coup. Constate pas de serpent en tout cas. Est-ce que t'as des trucs à raconter, toi? Ah, il s'est fait quand même sacrément malmener le bras, hein. D'accord. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Ah, bonsoir, hein. Bonsoir, Andrigo. Comment vas-tu, hein? Ouais, c'est ça. Je suis obligé de passer par en bas. Ok. Ça va, c'est pas pire. Eh ben, si c'est pas pire, c'est que c'est peut-être mieux, du coup. Et bah, tant mieux, hein. Parce que quand c'est pas pire... pas pire, pas pire biteux, quoi. J'ai essayé un truc, je suis désolé, je le referai plus. Je le referai plus. Ouais, je sais toujours pas comment je... Femme puissante, je sais toujours pas comment j'accède à ce qu'il y a là-dedans. Passeport biteux. Regardez, mon téléphone qui m'a dit un truc, mais je sais pas quoi. Eh ben tant pis. Désolé, téléphone. Désolé, pas désolé. D'accord, c'est juste un zombie qui gratte à la porte. C'est pas comme si tu viens à mettre deux trucs, tu peux pousser et monter dessus. Oui. Ah mais putain, il y a... Chien de merde. Voilà. Est-ce qu'on peut cramer les chiens? Je sais pas si c'est nécessaire de cramer les chiens. On dirait pas. Bon. Les gentils toutous. Les gentils toutous. Alors. On doit pas avoir la même définition de gentil toutou, toi et moi. Non mais je voulais l'apprendre, idiot. Ah, tu me déconcentres. Tu m'empêches, je sais. Ah, c'est terrible, terrible, terrible. Mais ouais, non, gentil toutou, prends l'herbe rouge, non, sans deck. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Bah, évidemment que vous me déconcentrez, c'est la base. Et du coup, je vais... Ah. Merde. Putain. J'avais pas rechargé, ok, ça l'a fait recharger. Ok, ça c'est réglé. Ah merde. Ah mais ils sont nombreux.
Ça fait beaucoup de munitions pour une seule personne, hein. Enfin, pour si peu de personnes. Lui, vu qu'il a plus de tête, en théorie, j'ai pas besoin de le cramer. Ouais, ça fait... Ça a pas cramé celui que je voulais, super. Attends, du coup, c'était... Ouais, peu de risques qui reviennent. Bon, dans le doute, je vais quand même aller tous les cramer. Hein, j'ai le... Ah, j'ai le bidon d'essence juste à côté. Bon, autant en profiter, quoi. Il va encore me sortir un chien, là, ou c'est bon? Ah, il y en a pas une quantité infinie de kérosène. Ah. 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 Mais bon, on sait jamais, hein, tu sais. Ah, ok. Non, bah, vu qu'il n'y a pas les cadavres, j'ai pas besoin de les cramer, ceux-là. Ok. Du coup, que cherche le jeu? Je cherche à sauvegarder, déjà. Déjà, je cherche à sauvegarder. On va commencer par là. En vrai, manger les mélanges, non. Par contre, ranger l'herbe, oui. Je devrais peut-être faire plusieurs sauvegardes, même si je suis pas certain de me faire softlock, hein. Hop, on range ça. Des bisous YouTube. On va arrêter cette vidéo ici. Ça fait quasiment une heure qu'elle tourne. À la prochaine.